Donc, dans la continuité de cette mise en contexte, nous allons maintenant nous intéresser, comme ça a été annoncé tout à l'heure par le professeur Prieur, à une perspective importante qui est celle de monsieur Christophe Pastin, qui est ingénieur ainsi que membre de la chaire Normandie pour la paix. Et il va donc partager avec nous ses perspectives autour de la thématique « Pourquoi et comment mesurer l'effectivité du droit de l'environnement en partageant une méthode pluridisciplinaire ?» Christophe, la parole est à vous. Et puis, il fait plaisir de nous reconnecter de cette manière-là. Nous avons pu échanger assez là, il y a quelques mois maintenant, autour d'un très beau thé marocain. Et il fait plaisir de continuer ces échanges, même s'il aurait été souhaitable que nous ayons pu encore nous rencontrer en personne. Mais ce n'est que partie remise. Christophe, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eman. Bonjour à toutes et à tous. En tant que partenaire scientifique du CIDCE, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à ce colloque. Et voilà, vous exposer pourquoi et comment des indicateurs juridiques aujourd'hui peuvent mesurer l'effectivité du droit de l'environnement. Donc, je partage un document, ce sera beaucoup plus simple pour la compréhension de tous. Donc, pourquoi et comment des indicateurs juridiques peuvent-ils mesurer l'effectivité du droit de l'environnement ? Ce n'est pas pour se limiter à la satisfaction d'avoir bien mis en œuvre le droit. C'est avant tout pour renforcer l'application du droit, pour mieux protéger l'environnement en identifiant scientifiquement les cibles prioritaires d'amélioration des domaines juridiques. C'est aussi aider les décideurs politiques à mieux réformer les textes existants et éclairer les parties prenantes sur l'utilité du droit. Le juge Antoine Benjamin évoquait tout à l'heure que les juges se situent à l'apex du monde juridique. Mais cet apex a besoin d'index, donc d'indices, donc d'indicateurs pour mieux se situer et par analogie pour tous ceux qui sont à la tête du domaine du monde juridique. Comme on est dans une approche où les mathématiques viennent s'appliquer au monde du droit, il est nécessaire de pouvoir corréler quels sont les principes juridiques qui s'associent à des principes mathématiques pour pouvoir produire des indicateurs juridiques. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques. Je veux juste rappeler que pour pouvoir faire cette mesure, il a fallu connaître les deux principes juridiques nécessaires à la mesure. Ces deux principes, c'est avant tout faire un inventaire des domaines d'application du droit qui vont permettre d'établir un périmètre qui va faire l'objet de la mesure de l'effectivité. Donc, on ne va pas forcément prendre tout le domaine du droit, mais on va prendre une cible qui va être liée à des objectifs d'amélioration, de protection de l'environnement, mais surtout de l'application des règles de droit qui va permettre de protéger l'environnement. Deuxième principe juridique qu'on prend en compte, et c'est le plus important, c'est celui qui va permettre de récolter les données qui caractérisent des critères juridiques, c'est un questionnaire. Un questionnaire qui va identifier toutes les conditions d'effectivité du droit. À partir de là, on peut commencer à appliquer des principes mathématiques. Ils sont au nombre de 7. Le premier, c'est de pouvoir qualifier des données. Alors, qui dit questionnaire, on s'attend à avoir des réponses plus ou moins libres. Et plus les réponses sont libres, plus c'est difficile, par la subjectivité des réponses, de pouvoir, entre guillemets, qualifier ces données. Donc, l'important, c'est de mettre en forme ces données dans des réponses exploitables. Exploitables sur l'ensemble du questionnaire pour permettre de pouvoir comparer la nature des réponses par rapport aux différentes personnes questionnées. Ensuite, pour traiter ces réponses, il faut leur donner un sens mathématique. Donc, on va passer de la qualification à la quantification de ces données. C'est-à-dire qu'on va convertir la réponse qualitative en une valeur, dans une échelle qui sera appliquée à l'ensemble du questionnaire sur le périmètre de mesure et dans le temps. Troisième principe mathématique, c'est celui domaine de spécialité qui va être l'agrégation des données, c'est-à-dire ça va être l'ensemble des combinaisons qui vont permettre d'établir les indicateurs juridiques. Je dis bien les indicateurs juridiques. Pourquoi ? Parce que En fait, on parle de processus de mise en œuvre de l'application du droit. C'est par analogie comme piloter un véhicule.
Donc, quand on pilote son véhicule, on a besoin de plusieurs indicateurs. La vitesse, le régime moteur, la consommation de carburant, l'état de température du véhicule. Et bien là, c'est pareil. On a besoin de plusieurs informations sur le niveau d'effectivité, que ce soit au niveau du critère juridique propre jusqu'au domaine de droit qui va être traité, au domaine juridique. Donc ça, c'est un ensemble qui permet d'assurer et de pouvoir à terme visualiser le niveau de performance de la, quand je dis performance, ce n'est pas résultat, mais c'est de mise en œuvre de l'application du droit. On rentre ensuite dans l'exploitation de la mesure. Alors, l'exploitation de la mesure, ce n'est pas simplement voir quel est le niveau d'effectivité atteint, un simple ratio, c'est rechercher avant tout des tendances et de rechercher des corrélations sur les sources d'amélioration et de renforcement de l'effectivité. On peut dire qu'on a deux paradigmes qui s'accolent, deux paradigmes qui s'opposent un peu, pas forcément en termes de, d'objectifs, mais en termes, de conjonction de leur base. On va partir sur un paradigme inversé qui va être celui de l'effectivité, qui va aller de l'existence du droit jusqu'aux aspects non juridiques du droit qui vont permettre de renforcer la bonne application du droit. C'est ce qui va être l'effectivité. Et plus cette effectivité est grande, plus elle est importante et renforcée, plus à ce moment-là, le paradigme de l'efficacité du droit, celui qui va permettre de voir le droit appliqué jusqu'à la conformité des résultats attendus, décrit par rapport à des objectifs, nous permettra de voir le niveau de contribution de l'application du droit dans le niveau de performance, de résultat du droit. Ça permet de dissocier, ce qu'évoquait un peu plus tôt en introduction Michel Prieur, sur le fait que des conjonctures non juridiques, comme par exemple la pandémie qui nous a réduit dans nos mobilités, a amélioré la diminution des rejets d'effet de serre, dans l'atmosphère. Donc ça va permettre de dissocier, de voir la contribution du juridique par rapport à d'autres contributions sur l'amélioration de la protection de l'environnement. Il est important que cela s'exprime de façon la plus élémentaire possible, pas arriver avec des formes complexes au niveau. Une source d'amélioration, une source de renforcement doit être la plus élémentaire possible. Et elle doit répondre surtout à des objectifs. On ne va pas lancer une source d'amélioration si elle ne satisfait aucune attente, que ce soit en termes de gouvernance ou que ce soit en termes de protection de l'environnement. Une fois qu'on a ce travail de fait, on va aussi quand même s'assurer que la représentativité de la mesure est garantie par l'objectivité de son panel. C'est-à-dire que le questionnaire, lui, est adressé à un certain nombre d'acteurs du droit qui ont été sélectionnés, invités à participer par rapport à la représentativité qu'ils ont sur l'ensemble des acteurs du droit concernés par cette mesure de l'effectivité. Donc, il est important qu'une fois qu'on a constitué ce panel, on puisse le pérenniser dans le temps de l'étude, donc de l'inscrire dans un référentiel qui va encadrer tout le processus de mesure, il va dire quels sont les acteurs, comment les acteurs participent et comment on collecte l'information. Et une fois que ça s'est réalisé, on s'assure et on met en œuvre un contrôle de cohérence des réponses. Pourquoi ? Ben parce qu'à un moment donné, on peut avoir, malgré toute l'exigence et toute l'assiduité du groupe d'experts qui a constitué ce questionnaire, on peut avoir un périmètre de mesure mal compris, trop technique éventuellement, mais pas assez accessible à l'ensemble des acteurs. Et donc, on peut avoir un niveau de retour des réponses qui montre le non-maîtrise de l'acteur dans sa réponse. Donc, l'important, c'est d'avoir une réponse la plus sincère, la plus factuelle possible. Donc, on passe de la représentativité de la mesure au sixième principe qui va être la représentation graphique de la mesure. Donc, je vous parlais tout à l'heure du tableau de bord. Donc, toute la traduction visuelle du traitement des données est importante. C'est un ensemble d'informations. C'est ce qui va permettre en quelques secondes, qu'on soit expert ou non expert, de se satisfaire ou non de la situation en matière d'application du droit. Donc, nous avons donc une série de cinq représentations graphiques qui vont
de la gauche vers la droite, le premier radar vert, c'est l'effectivité propre à chaque critère juridique. Toutes les zones qui ne sont pas vertes, dans cet exemple en bas, caractérisent de l'ineffectivité. Donc, on voit dans les domaines, dans chaque critère juridique, où on va être, entre guillemets, performant. Et dans les domaines où tout de suite, ça peut poser problème. On ne peut pas forcément toujours traiter tous les critères à améliorer. Il faut savoir se prioriser et définir où et comment on va programmer notre amélioration. Donc, à partir de là, il y a un deuxième indicateur, le second en partant de la gauche, qui est un radar des familles de critères juridiques. Le professeur les a évoqués, elles sont au nombre de 6, qui permet d'identifier tout de suite les familles de critères juridiques qui sont en source, en besoin pardon, d'amélioration, qui sont vraiment ineffectives. Alors, il faut savoir que tout ça est bien décrit dans l'ouvrage qui sera présenté par Émilie Gaillard. Ensuite, on va vers la représentation, la participation de chaque famille de critères juridiques dans l'effectivité du thème. On a l'effectivité du thème et après, tous les thèmes juridiques, tous les périmètres qui ont été mesurés s'associent pour créer l'effectivité globale du droit, si on le souhaite. Dernier point, une mesure ne suffit pas. L'objectif, on l'a dit, c'est s'améliorer. Donc, il faut suivre dans le temps le niveau d'amélioration de l'effectivité. C'est un indicateur essentiel pour pouvoir mesurer la progression ou, plutôt, on va parler de non-régression du droit. Et ça, c'est important, parce que ça peut être des éléments de gouvernance, de pilotage. On peut se donner comme objectif non pas d'avoir un taux d'effectivité de 45, 70 ou 80 %. Ça n'a pas trop de sens, en fait. L'objectif, c'est l'amélioration. On continue toujours à faire mieux et plus pour la protection de l'environnement en se donnant des objectifs mesurables. Améliorer de 1 %, de 2 points, l'amélioration, l'application des règles de droit, par exemple. Une fois qu'on a ces principes, donc, on est arrivé à créer notre mesure de l'effectivité et elle nous permet, et on l'a expérimenté avec différents pays, donc le Brésil, le Portugal, la Tunisie, la Turquie et la France, on a permis de tirer un retour d'expérience, un intérêt et l'utilité de la démarche. Et aujourd'hui, s'il y a une expérience à tirer de l'application des indicateurs juridiques, c'est avant tout déjà, c'est un outil qui n'est pas forcément compliqué, mais c'est un outil qui nécessite que les acteurs qui veulent développer les indicateurs juridiques soient formés avant d'engager une démarche. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a de la méthode et si on n'est pas formé, on risque de rentrer dans la subjectivité avec des données qui ne seront pas réellement exploitables et pas représentatives de la situation. Que la méthode, elle n'est pas universelle en soi, que la méthode, elle a une obligation de s'adapter contextuellement aux spécificités du périmètre de mesure. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on vit dans un monde de pluralisme, on a différentes façons d'aborder le droit, et donc il est important d'être toujours dans cette adaptation. Et on ne pourra pas faire d'indicateurs juridiques sans recenser les populations, acteurs du droit, pour pouvoir inviter, créer les panels pour mesurer et assurer dans le temps la mesure de l'évolution du droit. Et donc, j'ai envie de conclure sur cette transition pour dire que si la mesure de l'effectivité est un travail d'équipe, on peut le comprendre, ce n'est pas un seul homme qui peut tout faire, les mathématiques là ne sont appliquées au domaine du droit, sont avant tout au service de la gouvernance du droit et non pour gouverner le droit. Ça, c'est important. On n'est pas là pour mesurer la performance du droit. On est là pour aider à améliorer la bonne application du droit. Et la mesure de l'effectivité, avec ce que j'exposais tout à l'heure, pour voir où on peut s'améliorer, où on peut progresser dans le temps, c'est un pilier. C'est un pilier de la non-régression du droit. Et petite anecdote, n'étant pas juriste, j'en suis convaincu en tant qu'ingénieur que gouvernant, décideur, acteur du droit, si vous souhaitez arriver à améliorer la protection de l'environnement, améliorer les règles qui permettent de protéger l'environnement, la mesure de l'effectivité
Donc, ces indicateurs vous seront utiles quotidiennement pour engager les actions d'amélioration et de renforcement de l'effectivité. Je vous remercie. Nous vous remercions beaucoup, Christophe, pour cette présentation. Il y a eu de multiples requêtes au sein de la fenêtre chat, comme vous pouvez constater, de pouvoir disposer de ces diapositives. Et je pense que ça reflète l'intérêt qui est porté à votre important travail, qui se situe donc à ces frontières, en quelque sorte, entre ces différents domaines que sont les mathématiques, l'ingénierie et le droit. Et votre conclusion est « on ne peut plus à propos ». Merci beaucoup pour votre partage. Merci. Et votre présentation. À ce stade, j'aurais une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle à partager à l'audience. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à ma connaissance, sur les informations dont je dispose, malheureusement, étant souffrant, Patrice Durand ne sera pas en mesure de partager ses remarques dans le cadre de cette session. Donc, je voulais vous en informer. La bonne nouvelle est associée à cette mauvaise nouvelle, the silver lining, comme on dit en anglais, c'est que du coup, ça nous permettra de récupérer un peu en termes de notre gestion du temps et de pouvoir toujours avoir un espace conséquent à consacrer à la discussion et aux échanges. Donc, la prochaine intervention sera effectuée par une personne qui est déjà intervenue dans le cadre de la session d'ouverture et qui est présente dans la salle, la professeure Émilie Gaillard, qui est donc coordinatrice générale de la chaire d'excellence Normandie pour la paix, associée au CNRS dans le cadre de la région Normandie, au niveau de l'Université de Caen, est également maître de conférence en droit à Sciences Po Rennes, va présenter un ouvrage qui aura été évoqué tout à l'heure, qui s'intitule « Mesurer l'effectivité du droit de l'environnement, des indicateurs juridiques au service du développement durable » et qui inclut des contributions du professeur Prieur, de Christophe Pastin que nous avons entendu, ainsi que la collaboration de Mohamed Ali Mekoua, professeur émérite très réputé au Maroc et au niveau international, avec qui j'ai eu l'honneur de collaborer dans le passé et qui a plutôt cette année été un des récipiendaires du prix Nicholas Robinson de la Commission mondiale du droit de l'environnement dans le cadre de l'événement Araba que j'évoquais tantôt. Émilie, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de partager avec vous, de vous présenter la collection que nous avons ouverte aux éditions Peter Lang pour publier les travaux importants qui sont menés au sein de la chaire Normandie pour la paix. Alors, le premier tome s'intitule « Legal Actions for Future Generations » et on publie actuellement sous presse la version française. Et les trois prochains tomes sont les tomes 2, 3 et 4 consacrés aux indicateurs juridiques. Nous avons donc pris comme option au souhait du professeur Michel Prieur, qu'il a coécrit avec Christophe Bastin, que nous venons d'entendre, avec la collaboration de Mohamed Ali Mekoua. Nous avons opté pour une édition open source. Cela signifie que toute personne peut télécharger ces ouvrages, qu'ils soient sur n'importe quel continent et surtout pour 0 €. La chaire Normandie pour la paix a fait le choix aussi d'en imprimer un certain nombre, ce qu'on appelle les hard copies en anglais, donc en ouvrage, parce qu'on a le souhait de soutenir le travail mené par le professeur Michel Prieur, Christophe Bastin, et toutes ces équipes internationales qui ont été aussi, qui ont œuvré au sein de la chaire Normandie pour la paix. Ces hard copies ont vocation à être diffusées auprès de diplomates, des représentations permanentes auprès de l'ONU et auprès de toute université. Je laisserai bien évidemment un exemplaire au sein de l'Université de Paris-Saclay à l'attention des étudiantes dans votre bibliothèque. Cet ouvrage se compose de plusieurs chapitres. Je voudrais juste mentionner, avant d'aller dans le détail, indiquer que plusieurs de nos collègues prendront la parole notamment demain. Il s'agit de nos collègues, je voudrais les nommer, je voudrais prendre le temps de les nommer parce qu'avant la pandémie, nous avons organisé deux séminaires en présentiel à la MRSH, c'est-à-dire la Maison de la Recherche en Sciences Humaines en Normandie, et on avait ce plaisir de partager ce travail de fond en séminaire fermé
avec Alexandra Aragao, professeure au Portugal, Boris Barrault, Julien Bétail, Ondeline Briand, Marie Bonin, Pierre Brunet, Fernanda Cavedon-Capdeville, Guillaume Chaperon, Leïla Chikaoui-Madaoui, Jérôme Fromageau, José Justet et Alfredo Pena-Vega, qui est dans la salle et que je salue. Tout cela nous a permis de creuser. Et en fait, cet ouvrage, il préexistait aux travaux de la chaire Normandie pour la paix. Et nous avons souhaité démultiplier en fait l'audience possible et la répercussion de ce travail. Nous avons mené donc avec toute cette équipe que je viens de mentionner deux séminaires de recherche ensemble et notre vœu, c'est de disséminer toute cette recherche tant à l'international jusqu'à la région Normandie de ses indicateurs juridiques. Alors, cet ouvrage est composé de 6 chapitres. L'exigence d'effectivité du droit de l'environnement, premier chapitre. Le constat de l'inexistence de vrais indicateurs juridiques, pour expliquer que des fois ça existe occasionnellement, des fois ça découle des droits de l'homme. Troisième chapitre, des indicateurs au service des objectifs de développement durable. Bien évidemment, chapitre 4, pourquoi créer des indicateurs juridiques en matière d'environnement? Vous avez déjà entendu le professeur Michel Pierre. Chapitre 5, comment construire des indicateurs juridiques à partir des critères d'effectivité du droit de l'environnement. Chapitre 6, comment mesurer et représenter les indicateurs juridiques. Enfin, une conclusion qui souligne les forces et faiblesses des indicateurs juridiques. Nous sommes absolument convaincus que le professeur Michel Prieur nous offre là, nous ouvre un champ, et avec toutes les équipes à l'international, un champ d'études pour les dizaines de prochaines années. Tous ensemble, nous pouvons créer des indicateurs juridiques par région, en Afrique, par pays, croisement avec le système également des droits humains. Et pour conclure, je voudrais faire écho à la question posée par Antonio Benjamin. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on a un droit à l'effectivité du droit de l'environnement? Je m'adresse à ceux qui ont été inspirés par l'article « La tragédie des communs ». La tragédie des communs qui dit que l'usage en fait d'un pâturage de manière illimitée par tout un chacun va finir par l'absolue dégradation de cet espace commun. On pourrait dire qu'il y a aussi un risque de tragédie des droits de l'homme. Si on ne reconnaît pas ce droit à l'effectivité des droits environnementaux, puisque l'environnement est aussi la matrice de tous les autres droits, droit à la paix, droit à la vie, liberté d'aller et venir, si on s'autorise cette vision sur le long terme, eh bien, ne pas reconnaître ce droit à l'effectivité du droit de l'environnement et des droits environnementaux, ne pas colorier les droits de l'homme à l'environnemental, c'est courir le risque évident, je dirais même certain, de connaître la tragédie des droits de l'homme. Alors, c'est pour cela qu'on est convaincu de la nécessité de diffuser très largement cet ouvrage et c'est toujours un honneur et un plaisir de travailler aux côtés du professeur Michel Prieur. Est-ce que Michel, tu souhaites Ah oui, j'ai oublié de le mentionner, que cet ouvrage, qui s'intitule « Mesurer l'effectivité du droit de l'environnement », a donc pour co-auteurs Michel Prieur et Christophe Bastin, le concours de Mohamed Ali Mekwa, préface de Alfredo Pena-Vega, ici présent, et que nous saluons très chaleureusement. Voilà pour ma présentation de cet ouvrage. Je vous propose, pour ceux et celles qui sont dans la salle, ou celles et ceux, pardon, qui sont dans la salle, de venir devant, et mes étudiants vont au moins vous le remettre entre les mains. Seuls les speakers ont droit à un exemplaire, et bien évidemment, le comité français de l'UICN aura chacun son exemplaire avec grand plaisir. Nous sommes pour bien dévouer. Voilà, merci beaucoup, monsieur le professeur. Bravo, bravo, merci beaucoup pour cette contribution concrète déjà à ce colloque, cette riche contribution intellectuelle. Je suis déçu de ne pas pouvoir bénéficier à ce stade de ma propre copie, mais j'espère que je pourrai éventuellement avoir ce plaisir. Mais en tout cas, je ne peux que vous féliciter pour l'avoir mis à disposition de manière ouverte et accessible. On parle souvent d'enjeux d'accès
dans le cadre du droit environnemental, l'accès au savoir aussi est une réalité, l'accès aux connaissances, et être un tel facilitateur de partage est d'autant plus apprécié pour ceux qui, parmi nous, sont basés dans des pays du sud global et qui ont souvent, malheureusement, des barrières en ce qui a trait à l'accès, justement, aux connaissances et au savoir. Donc, c'est particulièrement apprécié, et je ne peux qu'être admiratif devant ce comité que vous avez su assemblés en termes de contributeurs pour cet important travail et ouvrage. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la session de questions et de réponses. Alors, avant de m'intéresser à la salle, laisser un peu le temps, et j'aimerais peut-être m'appuyer sur les personnes qui sont présentes en devant de la scène pour pouvoir m'assister à identifier les personnes qui, dans la salle, souhaitent partager des commentaires ou des réactions ou des questions. Je souhaitais me faire écho de celles qui ont été partagées jusqu'à présent en ligne. Il y en a deux en particulier, et j'inviterai aussi les participants en ligne qui souhaiteraient le faire, d'utiliser la fonction questions et réponses dans la fenêtre Zoom pour partager toute autre question qu'ils auraient. Nous disposons, d'après l'agenda, encore d'une heure pour discuter et échanger à ce sujet. Alors, par rapport aux questions que nous avons pour le moment, il y en a une qui nous vient de Monsieur Julien Métaille, qui est adressée à Michel Prieur, mais j'inviterai tout autre acteur éventuellement à réagir. Et la seconde qui est adressée, qui est plus générale et qui est une réaction à Monsieur, au commentaire de Monsieur Antonio Benjamin. Mais je viens de me rendre compte que j'ai omis à temps dans les échanges que je souhaitais faire avant de passer aux questions-réponses avec l'audience, c'était d'inviter nos intervenants d'ouverture dans le cadre de cette session particulièrement, à savoir le professeur Prieur ainsi que Justice Antonio Benjamin, à réagir à ce qu'ils ont pu entendre depuis leur intervention. Donc peut-être à commencer par le professeur Prieur, s'il y a des choses auxquelles il souhaitait réagir à ce stade, avant que nous ouvrions les débats avec la salle dans son ensemble. Merci, Eman. Je veux simplement dire que il faut là, à ce stade, avoir une discussion très générale et pas une discussion technique sur la méthodologie et sur les expériences, parce que c'est demain que vont être présentées par différents intervenants de différents pays les expériences, les expérimentations. Et donc, c'est à cette occasion qu'on pourra présenter des questions plus techniques. Et donc, je souhaite que les questions, à ce moment-là, reste à un niveau plus global. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Justice Antonio, would you like to react to what you have heard since your remarks earlier today? Well, merci. Perhaps just to say that here in this theme, we have a whole set of challenge, and it's important that we are aware of them. The first challenge is that, as Professor Michel Prieur indicated, this is a terrain, a law, that we are not very used in measuring what we do, as opposed to other areas like education, health, transportation, or inflation, and so on. The second is that because we are not trained for that, and because the whole idea of indicators and metrics come from other fields, we depend on the experts of the other fields and the knowledge that has been built in those other areas. And that's precisely why we had the previous speaker. There are lots of technical issues. There are lots of experience, good and bad. For example, indicators that are just one more level of bureaucracy, and they are irrelevant, they are not used, they don't express reality, they don't allow for change. So we do depend on this interdisciplinary approach. That's not something that we, the legal community,
just ourselves will be able to sort out. The third complexity here, in addition to everything else that I said before, and borrowing from Emily Gaillard's presentation, is that, and I'm repeating myself, we are dealing with a number of intangible values here. And this is very complicated because they don't have a market value. And they, in fact, in the same community, they might change in terms of assessment that people have towards them. And my final comment is on the basic failure of the state. I wrote in the 90s an article called The Theatrical State in Environmental Law. It's in the Brazilian Environmental Law Review, and it's available online. So the basic issue that we have here is a state that still sees many parts of the world, including my own country, the implementation of environmental laws as a matter of discretion. And it's not. It is a duty. And from this duty comes a right that my court affirmed a number of times to implement and implement in good faith the laws that are in place. So the state, the administration doesn't have the power to say, I will implement this law, I'm not going to implement this law, or I'm going to implement partially because I don't like it. I think gold mining in indigenous lands is fine, or deforestation is fine because we need to have soybean or cattle in the Amazon. This is not part of discretionary power of the administration. This is in fact arbitrary, the exercise of arbitrary power, or power exercised in an arbitrary manner. And this violates entirely at the core, but the whole concept of the environmental rule of law. And I recommend the book that Professor Christina Voigt edited on the environmental rule of law. So I stop here. Perhaps I could add one last thing. For 4 years in the Brazilian National Environmental Council, much before I was appointed to the court in 2006, and I was a member of that council, we had a working group designing a rule, a regulation on environmental law indicators. And it was almost approved. And the text is available online. You have to really search, but those that are interested, I can provide a text. Well, to our surprise, and frankly, to my surprise, the argument, the final argument in at the end of the whole process that killed this regulation that was about to be enacted was from the Ministry of Finance and stating that this was very dangerous for the country internationally because it could be used by other countries as a trade barrier. So from a completely unexpected corner, not from the environmental administration itself, comes the death blow to this draft regulation that would, this was 2004, I think, would have mandated environmental indicators, environmental law indicators all over the country. Thank you. Thank you very much to both of you, Professor Pia and Justice Antonio, for these important remarks that allow us to further contextualize the discussion that we'll be having from now on. Thank you very much. It is much appreciated.
à côté de ce stade. Excusez-moi, Eman. Le professeur Michel Brière voudrait réagir. Bien sûr, je vous en prie, professeur, allez-y. Je voudrais insister au début de notre conversation sur un obstacle au sein même de la communauté des juristes. Puis après, je parlerai de la communauté politique. Au sein même de la communauté des juristes, penser qu'on peut mesurer mathématiquement le droit fait frémir les juristes. Parce que le droit est sacré, comme on le sait, et qu'il n'est pas question de résumer le droit avec des chiffres. Et donc, il y a une espèce d'obstacle intellectuel à surmonter, consistant à considérer que les mathématiques, d'après ce que je peux en connaître, sont capables de mesurer tout et n'importe quoi, et par conséquent, pourquoi ne pourrait-il pas mesurer aussi le droit ? Alors, pour les mathématiciens, et Christophe me confirmera, c'est pas vraiment un problème, bien sûr, qu'on peut mesurer le droit. Mais pour les juristes, c'est un crime de lèse-majesté que de mesurer le droit. Et donc, je crois qu'il y a déjà un travail explicatif, intellectuel, pédagogique auprès des juristes pour qu'ils ne disent pas, comme il y a des ouvrages qui l'ont écrit, non, on ne gouverne pas avec le droit. Parce qu'ils pensent que si on mesure le droit, on va gouverner avec les mathématiques. Alors, il n'est pas question, évidemment, de gouverner avec les mathématiques en faisant les indicateurs juridiques. C'est pas pour gouverner le droit, c'est pour éclairer les décideurs et éclairer la société civile qui, elle, a la charge d'être, de subir le droit ou, au contraire, de le faire fonctionner. Ça, c'est ma première observation générale destinée aux juristes. Il faut surmonter l'obstacle intellectuel selon lequel le droit ne serait pas transformable en chiffres mathématiques. La deuxième observation, c'est par rapport aux politiques. Les politiques, est-ce qu'ils ont peur des chiffres ? Ben non, pas du tout, au contraire. Les politiques ne gouvernent qu'avec des chiffres. Les discours politiques, c'est de dire on a augmenté la lutte contre le chômage de 5%, on a augmenté la balance commerciale de 5 ou de 10%. Bref, tous les discours politiques s'appuient sur des chiffres, sur des statistiques, sur des résultats chiffrés des politiques menées par les gouvernements. Et donc, pourquoi pas demain voir les politiques dire « Ah, la loi de la France sur l'eau n'est appliquée qu'à 40%. Et donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour combler ce déficit. » Ça pourrait être un discours politique s'appuyant sur la mesure chiffrée de l'effectivité du droit. Et enfin, dernière observation, on dit oui, les indicateurs vont servir aux décideurs pour améliorer la décision, pour prendre conscience des progrès ou des reculs du droit. Mais en réalité, c'est pas uniquement les décideurs qui vont bénéficier des indicateurs juridiques. C'est toute la société. Or, la société civile, elle est partie prenante à l'application du droit de l'environnement. Le droit de l'environnement, il n'est pas fait pour les gouvernements. Le droit de l'environnement, il est fait pour la société, pour les entreprises, pour les ONG, pour les individus. Elle est faite pour l'environnement, et l'environnement, c'est la société. Et donc, la société, elle ignore le droit de l'environnement. Si vous faites des enquêtes dans la rue
pour savoir est-ce que vous connaissez le droit de l'environnement, les gens vont vous dire bah, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, mais c'est pas possible, il n'y a pas de droit de l'environnement. Il y a un droit de la famille, il y a un droit du commerce, mais le droit de l'environnement est ignoré par la société. Et donc, les indicateurs, ils vont d'abord servir à faire connaître à la population que l'environnement, c'est pas simplement les taux de pollution ou le nombre d'espèces menacées, que l'environnement, c'est aussi du droit, qu'il y a un outil pour les politiques d'environnement qui s'appelle le droit de l'environnement. Et donc, il faut faire connaître à la société l'existence du droit de l'environnement. Et avec les indicateurs, on rend le droit de l'environnement visible, lisible, parce que les gens, ils savent pas lire le droit de l'environnement, c'est beaucoup trop compliqué. Mais si on leur donne des chiffres simples, ça va être visible et lisible. Donc, on rend le droit de l'environnement visible et lisible. Et ça, je crois que c'est un élément très positif pour le développement de la connaissance du droit de l'environnement. Et puis, enfin, on peut se poser une question fondamentale. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les gouvernements n'ont pas poussé à la création d'indicateurs juridiques sur le droit de l'environnement? Alors, on peut réfléchir là-dessus. Et j'aurais le mauvais esprit de dire que peut-être, et ça rejoint l'observation faite à l'instant par Antonio Benjamin, par la réaction au Brésil il y a quelques années, peut-être c'est parce que les gouvernants, les hommes politiques, au Brésil comme dans les autres pays, aussi bien en France qu'ailleurs, ont peur de savoir et que tout le monde sache que le droit de l'environnement n'est pas appliqué, ce qui renvoie à la responsabilité de l'État et de l'administration. Eman, observation, c'est possible? Oui, avec grand plaisir, c'est possible, c'est un honneur pour nous. Je vous en prie, Justice. Merci. Well, what Professor Prier has said may sound like a provocation, but sometimes when we speak the truth sounds like a provocation because we try to hide it. So I think he touched on fundamental characteristics of the challenge that we deal with. Let me add a couple of challenge to the challenge that he has just alluded to. And those are profound challenges. One is that law is about power. And we want to keep the monopoly of power. However, in the social state, welfare state, law is just a means, is an instrument for achieving social objectives and also ecological objectives, some of them of intergenerational nature. So this is the first observation that I'd like to add to the excellent points raised by Professor Prier. The other one is that because law is about power, and we judges are at the apex of this power pyramid, we tend to forget that we might be wrong. We might, including the legislator, enact legislation that is incapable of achieving the goals that are necessary and demanded by society. And we judges, because of arrogance that comes with power, we might forget that our work, the deliverables that the judicial process brings to light, should be measured and should be assessed by those that pay our salary. So the citizens. And my very final comment, and I hope it's the final one, and there is no other provocation
good provocation of the nature that Professor Michel Pouyer has just put in front of us, is that in many countries, environmental law is seen as a discipline that should work in the darkness of the cinema. However, environmental law is about results. Of course, it's about values. And I repeat, many of them intangible values. But environmental law is there to achieve goals, objectives, many of them of a very urgent nature. We cannot wait 100 years, not even 10 years. So it's not just that environmental law is in itself an instrument filled with urgency in biodiversity, in climate change, and so on, but it's an urgency that reflects directly in the way that those that implement those laws behave. So it's not and should not be a legal discipline of the darkness or semi-darkness of the cinema. Thank you very much to both of you for these important remarks. Effectivement, les remarques nous ont donné beaucoup à penser, beaucoup sur quoi réfléchir pour approfondir nos échanges, et notamment en écoutant le professeur Prieur ainsi que Justice Antonio, cela m'a fait penser à, et le lien avec les mathématiques notamment, ça m'a fait penser à une citation de Descartes qui disait qu'à son avis, toutes les choses dans la nature se produisaient mathématiquement. Donc la question qu'on pourrait se poser, dans quelle mesure est-ce que le droit serait en dehors de la nature? Donc sur cela, j'aimerais ouvrir les échanges et les débats avec l'ensemble de l'audience, en commençant par notre audience virtuelle. Nous sommes près d'une centaine à être connectés. Donc nous avons notamment une réaction de Monsieur Julien Bétail qui s'attardait sur le lien justement entre l'effectivité et l'efficacité du droit qui avait été évoqué par le professeur Prieur et qui a partagé que selon lui, l'effectivité n'était pas toujours une condition de l'efficacité dans la mesure où le droit n'était pas le seul facteur qui influait sur le résultat. Il partageait deux exemples en ce qui concerne le climat en disant que la crise économique conduit à une baisse des gaz à effet de serre, mais que ce n'était pas lié en soi à l'effectivité du droit du climat. Il partageait aussi les effectifs du loup en France, en disant que c'était surtout la dynamique de l'espèce par rapport à la reproduction qui expliquerait son état de conservation favorable, et que ce n'était pas uniquement le droit qui était appliqué. Il concluait son partage de perspectives en disant que cela n'enlevait en rien l'intérêt de travailler sur l'effectivité, mais que selon lui, dans l'absolu, le fait d'atteindre les objectifs environnementaux n'était pas seulement une question d'application du droit. Nous avons quatre, je pense, que je vais partager avec vous avant de revenir à notre panel et ensuite m'enquérir d'éventuelles réactions ou commentaires dans la salle. Aude Farinetti voulait réagir par rapport aux questions finales du Justice Antonio et disait que le droit à l'efficacité existe au moins dans les obligations de résultat qui sont posées parfois, bien que trop rarement, par le droit de l'environnement, et que les prémices d'un droit au droit de l'environnement existant à travers le principe de non-régression, qui était aussi un des principes auxquels le professeur Prieur s'intéresse particulièrement, comme nous le savons tous. Aude Farinetti indiquait ensuite que le droit n'était pas démuni pour atteindre ses objectifs, que la clé était comme toujours la volonté politique. Julien Bétail intervenait de nouveau à ce moment-là par rapport et interrogeait Christophe Pastin pour lui demander ses perspectives par rapport à un travail qui était mené en Irlande dans le cadre du projet Effective Nature Laws. Et il partageait, enfin, il questionnait M. Bastin par rapport à son analyse de la méthodologie qu'ils ont. Nous entendons plus, Eman. Ah, oui, pardon, vous m'entendez plus.
Ça y est, à nouveau. C'est bon, parfait. Désolé, merci. Donc, rapidement, par rapport à au commentaire de Monsieur Julien Bétagne, au second commentaire où il interrogeait Monsieur Bastin par rapport à un projet mené en Irlande et quelle était la perspective de Monsieur Bastin sur la méthodologie qui était utilisée dans le cadre de ce projet. Une question de Louise Somerville qui portait davantage sur un sujet que nous n'avons pas couvert de manière approfondie à ce stade, qui est donc Ecocide as an International Crime, et questionnée par rapport à l'IUCN et qu'est-ce que l'IUCN faisait dans ce contexte, notamment des nouvelles récentes dans le cadre du Parlement de Belgique et les débats qui ont pu avoir lieu au sein du Parlement de l'Union européenne. À ce stade, sans forcément viser quelqu'un en particulier, j'aimerais peut-être inviter des personnes qui n'étaient pas formellement dans cette session, mais qui ont pu intervenir dans le cadre de la session d'ouverture, car je sais que certaines personnes que je nommerai pas sont particulièrement engagées dans les enjeux liés à la thématique des écocides. Ensuite, nous avons de nouvelles réactions de d'autres Farinetti et de Monsieur Julien Bétail, qui sont en fait des personnes qui ont bien compris comment qui sont particulièrement engagées, qui ont bien compris comment la fonction question-réponse fonctionnait. Aude Farinetti s'interrogeait globalement sur le risque de la politique du chiffre qui pourrait résulter d'une approche quantitative de ces indicateurs et comment éviter cet écueil. Elle a aussi indiqué que le professeur Prieur avait en certaines parties, certaines mesures réagi à cela, mais elle aimerait peut-être en entendre davantage. Et finalement, à ce stade, Monsieur Bétail qui réintervenait pour compléter les obstacles mentionnés par le professeur Prieur en indiquant qu'il était important que la doctrine juridique fasse un examen de conscience, et je pense que ça fait tout à fait écho avec cet appel à de vérité qui a été notamment mentionné également par le juge Benjamin. Et en indiquant que la doctrine juridique se limitait, d'après lui, très souvent à la description du droit, sans s'intéresser suffisamment aux effets du droit. Il indiquait également des exceptions dans certaines juridictions, notamment aux États-Unis, où de plus en plus de professeurs de droit s'engagent dans les empirical legal studies, en utilisant notamment des méthodes statistiques quantitatives pour analyser l'application du droit. Et il indiquait que, d'après lui, la doctrine environnementaliste devrait faire une révolution méthodologique. Et d'après lui encore, le projet sur les indicateurs juridiques ouvrait la voie afin de faciliter une telle révolution. Donc, voici à ce stade l'état des lieux par rapport aux commentaires et questions qui ont été partagés en ligne. Donc, j'aimerais inviter nos honorables intervenants à réagir s'ils le souhaitent à ce stade, avant d'avoir une dernière session de questions et de commentaires de la salle. Donc peut-être, vu que nous avons entendu Justice Antonio ainsi que le professeur Prieur déjà réagi, me tourner vers les autres intervenants que nous avons pu bénéficier dans le cadre de cette session et demander à Monsieur Bastin s'il souhaite réagir à ce qu'il a pu entendre, ainsi qu'à professeur Émilie Gaillard. Voilà, j'ai répondu au poste à la question de Julien Bétail, je remercie. Je n'avais pas connaissance du document et il mérite que je m'y plonge de façon précise. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est le titre. On est sur une étude empirique sur la conception des règles et ce que ça impacte en termes de conformité sur la protection de la nature. Donc, la question, c'est quelle est la méthode et quelles sont les données scrutées ? Pour voir si c'est un travail complémentaire et en tirer éventuellement des enseignements et se rapprocher, ou si c'est quelque chose de parallèle. Donc, pour le moment, difficile de répondre dans le détail. Mais en tout cas, toutes les initiatives, d'une façon générale, qui vont dans le sens de renforcer la protection de l'environnement, sont les bienvenues. Merci beaucoup. Émilie, souhaitez-vous réagir à ce stade ? Je n'ai pas spécialement de précision à faire. Peut-être saluer les travaux de thèse de Julien Bétail, qui est très actif, parce que précisément, c'est aussi au cœur de ses travaux, cette question de l'effectivité du droit de l'environnement. Et je lui ferai un clin d'œil devant tout le monde, puisqu'il m'a demandé si les membres des séminaires Chère Normandie pour la paix avaient également droit à leur copie hard. Je lui dirais oui. Tu as le droit à ta copie, hard, mais c'est le sens des mots en français et en anglais qui ne veulent pas dire la même chose.
Salutations très à mon cher Julien Bétail. Merci beaucoup pour cela. Peut-être inviter Christina ou Jérôme qui sont donc au devant de la scène de réagir également s'ils le souhaitent. Thank you, Ayman. Thank you to all the speakers in this absolutely fascinating session. I do have one question to maybe Michelle, Emily, and then I have a comment on the question on ecocide. The question I have, Michelle, is the work on environmental indicators, legal indicators, is absolutely crucial, and it's pushing the envelope in our understanding of how the law actually works. Is it being implemented? Is it working according to its objective as designed in the law? And your work, your participation, and your leadership is unparalleled. I have two questions here. Does the analysis, the measurement of the effectiveness of environmental law, does it also answer the question of if it's not being implemented to meet the objective, why? What are the reasons for why we see missing implementation? And does it answer the question whether the laws are designed in a way to solve issues? Does it also give us an indication of whether we actually dealing, I think Justice Antonio mentioned that in the lawmaking process, a lot of compromises are often made. So we end up with laws that are not as strong as they could be. And then, of course, if they're being implemented, even if they're perfectly implemented, they still do not solve the environmental issue at stake. Would that be something that could be captured by these indicators? Or would that maybe be extensions to the research that is being initiated and being carried out? I just put this in the room. And to the question, ecocide, that's, of course, a very interesting global discourse. Currently, ecocide is the criminalization of the most significant and severe environmental destructions. IUCN contributes in various, or the WCL contributes in various ways here. One is that we have contributed intellectually in designing the definition of ecocide, which was put forward earlier this year in June. And ever since, members of the WCL have participated in various events globally to disseminate the information about what ecocide is, how it could be addressed through a new international crime. What is the content of that new proposed international crime? Just to raise awareness and increase capacity. So that's just to answer the question. Thank you very much, Christina. Jérôme, la parole est à vous si vous souhaitez réagir ou interpeller nos experts. Alors oui, la question de Christina est relative à l'appréciation de l'effectivité par rapport non pas tellement à l'application et au processus d'application, mais par rapport à la pertinence du contenu de la loi elle-même. Parce qu'il y a une inadaptation de contenu de la loi par rapport aux objectifs qu'on poursuit et que la loi poursuit globalement. Alors, ce n'est pas directement l'objectif poursuivi par les indicateurs juridiques, mais en réalité, les indicateurs juridiques vont permettre aussi de répondre à cette interrogation. Parce que parmi les questions qu'on va poser, on va poser des questions sur la substance de la loi, sur le contenu de la loi. Et à cette occasion, selon la formulation des questions posées, on pourra les formuler de telle sorte qu'on interpelle la faisabilité de la loi par rapport à son contenu et pas simplement par rapport à son exécution, à son application, etc. Donc, c'est une adaptation de la méthodologie qui permet effectivement de répondre aussi à cette question, mais c'est pas la question principale. La question principale, c'est la mise en œuvre de la loi telle qu'elle est. Mais en réalité, dans les réponses qu'on va recevoir, on va constater que la loi telle qu'elle est ne permet pas d'être bien appliquée. Alors, je voudrais ajouter à cela
Et Christophe pourra me compléter s'il en a le souhait. C'est par rapport à deux éléments. D'abord, il ne peut pas y avoir d'indicateur juridique sans un processus pluridisciplinaire. Alors, bien entendu, c'est les juristes qui sont à la commande, parce que c'est eux qui comprennent le droit de l'environnement. Malheureusement, le droit de l'environnement est tellement confus que ni les gouvernements, ni les parlements, ni la société ne comprennent le contenu du droit de l'environnement, ce qui repose le problème de la formulation des lois sur l'environnement qui, si elles étaient compréhensibles, seraient peut-être plus facilement appliquées, si c'était mieux écrit. Mais l'analyse de l'écriture du droit dans les lois existantes et dans les traités existants, elle est le travail de la doctrine qui analyse le contenu et qui fait des commentaires en disant ce contenu est satisfaisant ou on comprend pas du tout ce que ça veut dire. Donc il y a déjà tout un travail théorique et doctrinal sur l'analyse du contenu. Mais ensuite, pour le travail indicateur, les juristes seuls ne peuvent pas faire le travail des indicateurs juridiques. Bien entendu, on l'a vu, il faut, à la sortie, si on veut chiffrer l'effectivité, il faut des mathématiciens et des statisticiens, et les mathématiciens, c'est pas pareil que les statisticiens. Et puis, pour formuler le fameux questionnaire qui va être soumis aux gens chargés d'appliquer le droit, il faut pas simplement des juristes, mais aussi des sociologues, n'est-ce pas Alfredo, des politistes et d'autres, probablement, disciplines des sciences humaines qui viennent nous aider à bien formuler les questions et donc à bien formuler les indicateurs. Les juristes seuls ne pourraient pas le faire. Mais il faut que les juristes soient, j'allais dire, majoritaires dans la décision pour formuler les indicateurs. Donc, pluridisciplinarité indispensable. Et puis enfin, au niveau de la méthode elle-même, on a pu constater avec Christophe, et il interviendra après moi là-dessus, dans le monde des indicateurs, et en matière d'environnement, il y a plein d'indicateurs, il y a une multiplicité d'indicateurs. Hein, la commission statistique de l'ONU a formulé 234 indicateurs pour appliquer les objectifs du développement durable. Il y a 234 indicateurs pour les objectifs du développement durable, dans lesquels il y a un nombre pratiquement nul d'indicateurs juridiques. C'est tous des indicateurs scientifiques ou économiques, éventuellement sociaux, mais à la limite. Donc, c'est scientifique et économique. Et donc, la fabrication d'indicateurs en matière d'environnement, il y a une littérature énorme. Il y a des spécialistes très nombreux dans tous les pays du monde, et notamment aux États-Unis. Et quand vous allez voir les documents publiés par ces spécialistes des indicateurs sur l'environnement, il est extrêmement difficile d'accéder à la méthodologie qu'ils ont utilisée pour construire leurs indicateurs. C'est un secret, pas d'État, puisque c'est pas les États qui fabriquent les indicateurs, c'est des spécialistes, des chercheurs, des universités, des bureaux d'études. Vous ne trouvez pas accessible la façon dont ils ont fabriqué leurs indicateurs, ce qui est quand même incroyable. Et ceci est lié au problème du coût. Combien ça coûte pour fabriquer des indicateurs d'environnement non juridiques? On n'a pas réussi à trouver le coût de fabrication des indicateurs d'environnement. C'est un secret professionnel. Alors, j'interpelle Christophe pour compléter mon propos.
Merci Michel. J'en profite aussi pour donc, Christophe. Donc oui, ce constat paraît effarant en tant que mathématicien de ne pas savoir en tant que décideur comment la méthode est construite, comment le modèle mathématique se met en œuvre pour construire un indicateur qui va aider à prendre une décision. Et c'est une volonté qu'on a avec Michel aussi hein, là-dessus, parce que je pourrais passer des heures à expliquer dans un langage qui n'est pas forcément accessible. La volonté qu'on a eue avec Michel, c'est de rendre publique notre méthode. C'est de décrire les inspirations, les règles et le modèle mathématique pour que tout le monde puisse se l'approprier. Parce qu'aujourd'hui, les indicateurs qu'on peut voir, je me suis toujours intéressé de savoir d'où provenait la source. Comment était interprétée la source et comment était garantie la représentativité du calcul. Je n'ai aucune information pour avoir scruté. Même Michel de son côté a pu contacter des instances qui n'ont jamais su expliquer. Même en disant, on ne peut pas vous dire, mais ça existe. Personne n'a pu dire qu'il y a une existence qui garantit la qualité, la représentativité, la conformité aux objectifs attendus, la construction d'un indicateur, que ce soit au niveau des objectifs de développement durable ou à caractère socio-économique orienté vers l'environnement. C'est un triste constat. Voilà, j'en ai terminé avec ça, je pourrais passer des heures. Hein, voilà. Et il en merci beaucoup. Le coût de fabriquer des indicateurs. Fabriquer des indicateurs. Nous, on a une idée de ce que ça coûte en termes dans notre approche et de comment on peut rationaliser la dépense. Mais quand je vois le potentiel qui a été fait d'agrégation des données, de collecte des données, on peut estimer que certains indicateurs peuvent représenter quelques milliers d'euros ou de dollars pour un indicateur à plusieurs centaines de milliers, à plusieurs centaines de milliers. D'euros, je veux dire, de milliers de dollars pour obtenir certains indicateurs. J'en ai pas la preuve, mais en me projetant sur la mise en œuvre, c'est une organisation lourde et très onéreuse. Donc, ces budgets, voilà, donc on les connaît pas non plus, c'est dommage, mais aujourd'hui, on sait qu'on est capable de produire des indicateurs qui soient utiles. Après, c'est un investissement, il faut le prendre comme un investissement et en mesurer le retour. Et ça ne peut se faire que s'il y a des objectifs et dans la plus grande transparence pour tous les acteurs, comme l'a dit Michel Prieur, que ce soit les gouvernants, mais aussi les ONG, les citoyens, toutes les personnes concernées par la protection directement ou indirectement de l'environnement, et notamment pour nos générations futures. Merci beaucoup. Je voulais en profiter pour aussi vous inviter, Christophe, à réagir à une question à laquelle vous étiez en train de répondre par écrit sur Zoom, si je ne me trompe pas, qui était de la part de David Marfing, qui demandait si vous considériez que la subjectivité propre aux acteurs du droit auxquels les questionnaires sont adressés est un biais méthodologique important, et le cas échéant, si le contrôle de cohérence des réponses, inclus à l'étape 5 de la méthode que vous avez exposée, s'était avéré satisfaisant. Je voulais vous inviter à réagir vraiment sur ça. Merci. Alors, je vais réagir le plus simplement possible. La subjectivité est prise dans le contrôle d'un prisme. Il prend en compte le fait qu'on va orienter la réponse par un choix à faire parmi des possibilités de réponse pour éviter tout problème d'interprétation sémantique. Ensuite, la subjectivité, elle est gommée par la somme des subjectivités. C'est-à-dire que plus on a de personnes qui répondent à la question et plus la distribution des réponses est centrée autour d'une médiane, d'une moyenne de réponses, plus cela devient objectif. Et troisième élément du prisme, c'est l'aspect factuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va aller chercher des réponses, on va essayer de les étayer par des exemples. Et non pas laisser la personne répondre par rapport à ce qu'elle pense, mais par rapport à ce qui existe. Et comme ça, on gomme cette subjectivité.
Merci beaucoup. Voilà. Avant de céder la parole à Jérôme pour tout commentaire qu'il aurait, je prendrai les deux dernières questions que je prendrai par l'outil Zoom, questions et commentaires. Il y en a une de Delphine Missad qui demande dans quelle mesure la dimension d'un agir ensemble, commoning, est-elle prise en compte dans les indicateurs d'efficacité et d'effectivité de la mise en œuvre de nouvelles législations. Par exemple, expliquer aux acteurs du terrain le droit applicable, en discuter, leur permettre de se l'approprier. Et finalement, Pascal Kromarek, qui indique, début de lecture de son commentaire, la loi telle qu'elle est, dit Michel Prieur, est le point de départ de la formulation des indicateurs. Mais comment résoudre la question de la compréhension de ces lois? Les juristes connaissent les imprécisions des textes nationaux, voulus ou non, les imprécisions des textes internationaux encore plus fortes, car dépendant, selon elles, aussi des traductions et des subtilités sémantiques des pays. Et la question qu'elle pose est donc comment se mettre d'accord sur l'effectivité d'un texte si le sens de ce texte peut être interprété différemment? Faut-il descendre jusqu'au circulaire d'application? La parole est à vous, Jérôme. Merci. Je poserai une question à Michel Prieur d'abord, et puis une remarque. La question, c'est une question d'historien, bien sûr, ça ne vous étonnera pas. Je me demandais si lorsqu'on a créé l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques en 1983, on n'avait pas eu un peu cette idée qui s'est étoffé beaucoup plus tard finalement, parce que au fond l'élaboration d'un texte législatif, il est très fortement lié aux connaissances scientifiques du moment. C'est évident que il y a de très nombreux exemples de textes qui remontent parfois, j'évoquais tout à l'heure à l'ordonnance des eaux et forêts de 1769, on comprend bien que ce qui motive le législateur en général, c'est quand même cette idée que sous-jacente, bien sûr, on ne parle pas d'effectivité, mais on se pose la question de savoir pourquoi il est nécessaire d'adopter un nouveau texte. Et c'est quand même, si vous prenez la loi de 1902 française sur l'hygiène, vous comprenez bien qu'elle est extrêmement liée aux connaissances scientifiques, c'est-à-dire aux découvertes de Pasteur. Donc le droit s'adapte malgré tout, lentement, bien sûr, mais implicitement, on s'est posé cette question d'effectivité. Alors ça, c'est le premier point. Le second point, c'est pas une question, c'est, je voudrais dire que moi, j'ai été gentiment associé à ce groupe, et j'étais un peu effrayé au départ par la présence d'un mathématicien quand même, parce que bon, ça a été dit pour les juristes, c'est quand même un coup dur, hein, bien sûr. Et ce que je note, je remercie évidemment Christophe Bastin. C'est que ça marche à condition qu'on ait affaire à des scientifiques qui sont capables de comprendre véritablement notre niveau de connaissance, qui est pour moi complètement nul. Et j'ai beaucoup apprécié justement cette démarche, parce que je me souviens de cours d'économie, notamment ici, hein, le collègue économiste qui était complètement fanatisé par les formules mathématiques, et personnellement, je sais rien du tout. J'ai quand même fortement ennuyé. Donc, je crois qu'il y a aussi la pluridisciplinarité, elle est possible si chacun d'entre nous on fait un effort et si on est accompagné par des personnalités comme Christophe Bastin, que je remercie d'ailleurs. Voilà. Merci infiniment, Jérôme. Peut-être avant de clôturer notre séance de discussion, en retournant pour une dernière fois vers notre éminent panel, j'aimerais m'appuyer sur les intervenants qui sont présents dans la salle pour m'aider à identifier peut-être deux à trois réactions de l'audience, si possible. Je sais que nous avons un micro baladeur. Oui, il y a, je crois, des questions.
Merci Emma. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous voulez, si vous voulez bien vous présenter brièvement. Du coup, je me présente, je suis Pierre Lambert, étudiant en M2 droit de l'environnement à Paris-Saclay, du coup, sous la direction de M. Raphaël Brett, de Mme Aune Farinetti et de M. Fombostier. J'aimerais une question donc, pour l'ensemble des intervenants, mais en particulier pour le professeur Michel Prieur et pour le juge M. Antonio Benjamin, sur la recherche d'indicateurs de l'effectivité dans le droit du droit de l'environnement. Est-ce que ce n'est pas finalement une recherche de l'ineffectivité de ce droit par justement par les appareils institutionnels? Est-ce que cette calculabilité intégrale qui est recherchée donc déjà dans notre démarche, mais aussi au sein de l'appareil étatique, est-ce qu'elle n'est finalement pas mise en échec par tous les intérêts contradictoires qui sont au centre de l'appareil étatique en soi, qui est de mettre en jeu des enjeux qui sont avant tout économiques et qui sont finalement emportent avec leur recherche d'efficacité toute tentative de mettre le droit de l'environnement et son effectivité au centre des préoccupations. Est-ce que finalement, cette recherche de l'effectivité, elle ne va pas mener à comprendre que la voie n'est pas à travers les appareils étatiques, mais plutôt, disons, au centre, disons, de l'effectivité au centre, au sein des populations locales. Non, c'est bon. Plutôt de l'effectivité au sein des populations locales, d'une protection de l'environnement, plutôt que d'un droit de l'environnement, qui ne sera finalement que la concrétisation de notre volonté de Merci. Ah, il y a encore deux autres, très bien. Deux autres réactions de l'instant. Bonjour, je m'appelle Thiago Pires da Cruz, je suis également dans le master de droit de l'environnement. Moi, j'ai une toute petite question de néophyte. Est-ce que ce serait intéressant de réfléchir aussi au problème dans l'autre sens et d'essayer éventuellement de faire des indicateurs qui tentent de cibler le droit qui va à l'encontre de l'environnement? Alors, je ne sais pas si c'est pertinent, est-ce que ce serait possible? Voilà, merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une dernière réaction de la salle, si je ne me trompe pas. D'autres questions? Non. C'est bon, très bien. Parfait. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais inviter à ce stade nos éminents intervenants à réagir. Peut-être dans un premier temps, Justice Antonio Benjamin. Justice Antonio, thank you very much for staying connected with us throughout the session. Would you like to react to some of the remarks you have heard? Thank you. Well, perhaps also mention a few things that I think are relevant in when we close this opening session. This debate that we have now would be very different from the debates we had in the late 90s and since the year 2000. With OECD, the World Bank, INEAS, etc. The changes are not so much in the conceptual framework, the need, the goals, etc., or the techniques that will eventually be adopted, but because we now can use artificial intelligence to do a lot of the work that would make environmental law indicators very expensive for countries that are not as rich as France. So this is the first point that I would like to emphasize in closing. Artificial intelligence is there, but artificial intelligence depends on the availability of information. The second is the availability of information, because a number of countries or several countries now, not just in the European Union, have laws that guarantee access to citizens to information. And those citizens can go to court. This happens all the time in Latin America in order to get information that then can be used for reporting or assessing the status of environmental law
implementation. Finally, we spoke a lot about questionnaires, but it's not just about questionnaires. It's about information that is there and it's available. And we can use artificial intelligence for that purpose. So I end here and with a note of optimism, because the technology that is now available and the right to information, not just in environmental law, that has now been recognized in so many countries, will allow us to move, I would not say easily, but with less difficulties in this area. Remember one good partner, and it's a French inversion, the coup de compte. In many countries, the institution that has all the expertise in designing and applying indicators, social indicators, for example, but economic indicators as well, the best institution is the coup de compte. And we need to benefit from this, especially because the coup de compte, through the work of WCL, but also UNEP, are now part of this dialogue on not just the quality of environmental laws per se, but also the quality of the implementation, efficacité of environmental laws. Thank you. Thank you very much, Justice Antonio, for your contribution and adding elements of substance to our considerations, such as, for example, the role of technology. At this point in time, as we are starting to run out of time, I would like to invite our speakers to also take the opportunity, just like Justice Antonio has done, to seize the opportunity to contribute the elements of conclusion as I invite them to take the floor in this last round. So, in order, I would like to first, j'aimerais dans un premier temps inviter Monsieur Christophe Pastin à réagir et en profiter pour ses éléments de conclusion, partager avec nous ses éléments de conclusion. Ensuite, le professeur Émilie Gaillard, suivi du professeur Michel Prieur, suivi du professeur Christina Voigt, et finalement, notre hôte, professeur Jérôme Fromageau. Donc, Monsieur Pastin dans un premier temps. Juste, je me suis absenté 30 secondes, Eman, excusez-moi. Donc, oui, vous vouliez donc que je réagisse par rapport. Si vous souhaitiez, c'est le mot de la fin en quelque sorte. Le mot de la fin, je suis persuadé en tant qu'ingénieur qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler des rôles des mathématiques parce que derrière, c'est. Mais je vais rebondir sur les propos de Jérôme Fromageau. C'est vrai que. On va vers une approche pluridisciplinaire du monde scientifique, du monde des sciences humaines, et qu'on a besoin de s'apprendre mutuellement. Moi, ça fait 4 ans, je le dis avec humour, que je suis en première année de droit avec Michel Prieur, et j'ai ingurgité tout un domaine de sémantique. Et qui est important aussi qu'à un moment donné, le monde d'excellence dans lequel sont les juristes s'ouvre à d'autres disciplines et au langage d'autres disciplines. Parce que, indéniablement, il y aura corrélation des indicateurs juridiques avec des indicateurs socio-économiques, avec des indicateurs scientifiques. Les enjeux du développement durable, c'est pas qu'ils sont demain, ils sont aujourd'hui. 2030, c'est aujourd'hui. 2050, c'est aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de transversalité, si les fonctions, les grandes fonctions qui étayent le droit des générations futures ne sont pas interdépendantes et que leurs éléments de dialogue n'existent pas, on ne va pas réussir. Et les mathématiques apportent une chose, apportent de l'universalité au langage. Donc moi, j'encourage tous les acteurs du droit à prendre en compte cette interdépendance nécessaire et cette interdisciplinarité pour renforcer la protection de l'environnement par des règles, par du droit. Voilà, c'est là ma conclusion.
Merci beaucoup. Émilie, vous en prie. Très rapidement, le mot de la fin, je pense que déjà, on voit au bout de cette première matinée les champs de recherche immenses qui sont ouverts et à quel point les choses vont s'accélérer. Juste une petite mention, qu'il y a 2 semaines, j'étais avec les avocats. Il y avait le Conseil national des barreaux qui m'avait invité à parler du droit des générations futures et ils ont également entamé une démarche de travail avec une société, en tout cas de Data Lab. Je ne sais pas si c'est le nom de la société ou la démarche, mais tout ça pour dire qu'on est aussi entré dans ce phénomène, dans cette ère d'accélération de la rencontre de nos disciplines avec les data, les données, et qu'il nous faut impérativement bien les maîtriser, que cette évolution ne n'échappe pas à notre contrôle et à notre pouvoir intellectuel, en tout cas, de sorte qu'on ne crée pas à travers ces data une emprise sur notre pouvoir intellectuel. Ce sera juste mon petit mot de la fin. Encourager cette rencontre, mais en conscience de responsabilité. Merci beaucoup, professeur Michel Prieur. C'est le thème de l'évaluation des politiques publiques au niveau national. Bon, et il y a l'évaluation aussi au niveau international, où il y a des instruments. Et je voudrais mentionner ici l'instrument bien connu du reporting, où les États doivent faire rapport concernant l'application des conventions internationales. Alors, est-ce que ces rapports, qui sont une auto-évaluation par l'État lui-même de la façon dont il applique une convention, est-ce que ces rapports sont des instruments qui permettent d'évaluer effectivement l'application de la convention? Et on sait que non, pour des tas de raisons, parce que le questionnaire auquel les États doivent répondre n'a pas été conçu à partir d'indicateurs juridiques. Il a été conçu par rapport à l'objectif poursuivi par la convention, de façon générale, mais pas du tout par rapport à l'utilisation du traité en lui-même. Donc, c'est uniquement l'objectif qui est poursuivi dans cette évaluation. Quand les États répondent, dans la mesure où il y a 40% qui répondent en général pas du tout au reporting. Ensuite, les questions qui ont été très intéressantes posées par les étudiants du master de la faculté de droit Jean Monnet, que je salue. Un des plus vieux masters de l'Île-de-France. Nous le soulignons. A tout à fait, à juste titre, dit, mais finalement, votre histoire, c'est la recherche de l'ineffectivité. C'est sûr. La recherche de l'effectivité, c'est en même temps la recherche de l'ineffectivité, mais c'est plus vendeur de parler de recherche de l'effectivité, parce que c'est plus positif que l'ineffectivité, qui est un peu négatif et qui montre du doigt. Donc, ce qu'on veut par cette méthode, c'est que ça soit pas l'environnement sanction. On va pas sanctionner, c'est pas pour montrer du doigt les mauvais élèves. C'est pour aider à comprendre pourquoi ça marche pas. Donc, c'est une vision positive et optimiste. C'est pour ça qu'on parle pas d'ineffectivité, même si en réalité, c'est ça qu'il y a derrière. Et puis, l'intérêt les intérêts contradictoires en jeu. Hein. Bien entendu, l'application du droit, elle est conditionnée par les contextes économiques, sociaux et culturels. Et donc, on ne va pas le nier. Et l'effectivité du droit, elle est conditionnée par ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans notre méthode, et là, je reviens un peu à un truc technique, il y a des indicateurs juridiques, strictement juridiques, par rapport aux étapes d'application du droit, mais il y a un indicateur qu'on appelle non juridique, qui va rendre compte justement des éléments socio-économiques ou culturels qui contribuent à faciliter ou à rendre plus difficile l'application du droit. Donc, on n'est pas complètement stupide. On sait que le droit, pour être appliqué, il a besoin aussi d'éléments économiques, sociaux et culturels dont on va essayer de mesurer l'impact par rapport aux éléments strictement juridiques. Et ça va être la pesée la force des éléments économiques par rapport aux éléments strictement juridiques. Et là, on rentre dans la technique de la méthodologie. Merci. Merci beaucoup. Christina, the floor is yours. Sorry. Just
I just, instead of wrapping up, I just want to bring one example of how relevant and timely this discussion and this work is. You may know that currently parties to the Convention on Biological Diversity are negotiating what's called the post-2020 Global Biodiversity Framework. This is a framework that will consist of some 20 new targets, which are supposed to replace the Aichi targets. And it is a framework which hopefully will be adopted 15 in Kunming in China next year. Now, one of these targets is, for example, to conserve 30% of land and sea areas by 2030. Another target 20 is the equitable participation of indigenous peoples, of women and youth in decision making related to biodiversity and rights over natural resources. Now, this is a legal target. Parties will have to report what are the indicators of all of these targets. And I have here in front of me the current list of indicators that has been developed. And they are indicators on 19 of those 20 targets. There are no indicators yet on that legal target. On that target, it only says to be determined. To be determined, to be determined, to be determined. It's not there yet because nobody has given any input. States don't know how to measure environmental targets. And that is a very timely, very relevant example of how important that work is. IUCN WCL is part of the delegation to the CBD, and we would be more than happy to provide some input based on the important work that you and Shell and others are doing. So maybe we can connect back and give some real input into this decision-making process. Thank you so much. And I will put the floor to you, Joan.